Bonsoir. Quel est ton sentiment là? Ben, il y a beaucoup de sentiments qui se mêlent en moi ce soir, de la déception, de la frustration, de la colère. De pourquoi? Parce que on s'est fait marcher dessus par cette équipe niçoise qui a mis beaucoup plus d'engagement que nous dans la rencontre. On savait qu'avec le changement de staff de leur côté, il y aurait une réaction. On était prévenus et nous on n'a pas su répondre à ça. On gagne notre premier duel à la 33e minute, donc à partir de là, dans un match de football de haut niveau, on ne peut pas exister. On ne peut pas exister parce qu'on n'a pas le ballon, on subit beaucoup d'actions et après, ça devient compliqué. Oui, ben on savait, justement, quand je parle d'engagement, d'agressivité, on savait que voilà, ils allaient appuyer sur ça pour montrer une réaction par rapport à leur situation. Et nous, on n'a pas su justement répondre présent à ça. Et c'est ce qui est dommageable parce qu'aujourd'hui, je vous dis, on ne peut pas exister à partir du moment où on ne gagne pas les duels dans un match de football. Comment tu expliques que l'équipe soit retombée dans ses travers alors qu'elle semblait aller mieux ces dernières semaines? Bah ça on verra, on en discutera demain sur le brief par rapport à la situation, mais c'est vrai que là on est passé complètement à côté de notre sujet. Bonsoir Romain. Bonsoir. Quel ressort allez-vous utiliser pour essayer de rebondir après l'élimination en coupe et aujourd'hui c'est ce qu'on peut appeler une déroute? Non, mais je vais appeler je vais dire à la fierté des joueurs, à la responsabilité, parce que bon, c'est pas possible d'être face à cette situation-là, et ils en ont conscience aussi. Maintenant, voilà, on attend dimanche, on attend des hommes sur le terrain, et on va essayer d'être le plus performant possible dès dimanche.